prends. Tu vas déposer ces branches. Puisque tout est fin prêt à présent, croque-mort. Nous allons pouvoir commencer. Tout le monde est réuni ici pour dire adieu à Mademoiselle Lyra. On sait qu'il y a un traître parmi nous. Mac n'est pas avec toi? Il a dit qu'il devait aller quelque part, et il est parti. Est-ce que tu es inquiète? Mac est très courageux. Je ne m'inquiète pas. Tu sais, je suis ton grand-père. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Même si t'es plus jeune que maman? Ouais. Je préfère dire Caïn. Dire grand-père, c'est vraiment trop bizarre. Waouh! Regarde ça, Sati. Caïn, c'est être gentil, non? Hein? Eh bien, il se comporte comme tout grand-père. Ouais, c'est sûr que ça doit changer un homme d'avoir des petits-enfants. Je crois pas que ce soit comme ça. Je crois que j'ai une petite idée de ce que Mac est allé faire. Dis-moi. Cueillir ses fleurs. Je vois. Ouais, en fait, Mac et moi, on croyait que maman resterait en bonne santé tant que ses fleurs fleuriraient. Et vous les protégiez. Ouais. Mac et moi, on savait que maman n'allait pas très bien et on voulait rester ensemble, même si c'était que pour quelques instants. Alors, on implorait ses fleurs tous les jours. Cook ! Mac, les fleurs ! Je voulais les montrer à maman. Mais elles sont toutes fanées. Ces fleurs, l'important ce n'est pas de les laisser fleurir naturellement. Comme le disait votre mère, vous vous rappelez? Eh bien, c'est aussi naturel qu'elle fane, vous voyez? Je voulais lui faire plaisir. J'empêcherai tout le monde de marcher dessus. Oh, imbécile, tu pensais que ça rendrait maman heureuse? Mais c'était ses fleurs préférées! Et elles étaient déjà là quand j'étais avec la mère de Lyrum. Votre grand-mère. Hein? Si votre mère aimait tant ses fleurs, c'est très probablement parce qu'elle lui rappelait cette époque. Je suis sûr que votre mère comprendrait ce que vous ressentez. Et je vous comprends, moi aussi. Tu es un bon petit, Mac. Toi aussi, tu es bon, Caïn. Vraiment? Ouais, c'est exactement ce que je pense. Ah, vraiment? Va les montrer à Lyrum, Mac. D'accord. Maman? Maman? Je suis un peu émotive dans ce genre de situation, en fait. Bah. J'ai du mal à me contrôler, moi aussi. Monsieur Caïn, prenez les rubans, s'il vous plaît. Ces rubans sont la seule chose qui nous lie, nous, les vivants, à Mademoiselle Lyrum, la défunte. Mademoiselle Lyrum va devoir commencer son nouveau voyage. Nous devons maintenant rompre les liens qui nous unissent à elle, liens symbolisés par ces rubans. Regardez bien, Mac. Il va nous donner à tous le courage de rompre ces liens. Voilà son rôle. Tu vas couper tes liens avec Mademoiselle Lyrum. Mais ton profond amour pour elle restera éternel. Vous disiez que même si on doit rompre nos liens, il restera toujours les liens spirituels, hein? Oui, ces liens sont éternels. Bien. Disons adieu à Mademoiselle Lyra.
Plusieurs rubans de Mademoiselle Lyrom ont été confiés à son père. Lorsqu'ils auront tous été rompus, Mademoiselle Lyrom entamera son grand voyage dans l'immensité de l'océan. Mac, utilise ton flambeau pour suivre les mouvements des torches que les personnes présentes agitent. Ces mouvements transmettront tous leurs vœux et toutes leurs paroles d'adieu à ta mère. Si les mouvements sont mal décrits, les bons vœux ne seront pas transmis à ta mère. Si cela arrive, tu devras alors recommencer les mouvements des bâtons des personnes présentes. Oh, je sens le mini-jeu où je devrais le faire. Si tu suis correctement les mouvements avec ta flamme, tous les flambeaux des personnes présentes s'allumeront. Puis tous les gens présents devront couper les rubans avec leurs flammes pour représenter leur connexion et pour que les liens invisibles deviennent éternels. J'avais raison que c'était un endroit pour... Une fois tous les rubans coupés, Mademoiselle Lyrom entamera son voyage. Tu es prêt, Mac ? Ouais. L'heure est venue, chers amis. Nous devons rompre nos liens physiques avec Mademoiselle Lyrom. Pas de nom de famille ? La cérémonie respectera la tradition d'adieu aux défunts. Les personnes présentes utiliseront leur flambeau pour brûler les rubans de la gondole. Mac, ton rôle sera d'allumer les flambeaux des participants. Lyrom était une personne prévenante et généreuse. À présent, commençons. Après avoir présenté leurs condoléances, les participants avanceront leur flambeau. Déplace ton flambeau vers la droite et amène la flamme au bout du flambeau de ton partenaire. Oui, c'est comme cela qu'on les met ensemble. Ce mouvement symbolise les ondulations de l'océan. Veille à ajuster la position de ton flambeau. Essaye d'amener l'extrémité de ton flambeau au plus près de celui de ton partenaire. Le feu prendra à coup sûr. Maintenant, déplace ton flambeau vers la gauche. Ce mouvement symbolise le bruissement de la forêt. Ensuite, déplace ton flambeau vers le haut. Ce mouvement symbolise l'infinité étendue céleste. Enfin, déplace ton flambeau vers le bas. Ce mouvement symbolise la terre ferme. Le flambeau est allumé. Maintenant, il est temps de dire adieu à ta maman. Sois fort, d'accord? Cook est là, à tes côtés. Je vais faire ça pour tous les participants. Ensuite, ton rôle est de déplacer le flambeau ainsi et d'allumer celui de ton ou de ta partenaire. Fais bien attention à ton partenaire. Chacun déplacera son flambeau dans une direction différente. Depuis des siècles, chaque famille de Numara possède sa propre manière de dire adieu aux défunts. C'est une chose à savoir. Si tu ne peux pas allumer un flambeau du premier coup, tu peux réessayer autant que tu le voudras. Le principal, c'est que chacun puisse exprimer ses sentiments à Mademoiselle Lyrom. Il y a beaucoup de participants qui attendent, mais fais bien attention à allumer les flambeaux tout en douceur. Non. On va faire ça. Toutes mes condoléances. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Ne soyez pas timide. À droite. En haut. Et en bas. Lyrom savait se montrer généreuse envers ses prochains. Elle a aidé ma famille quand nous en avions grand besoin.
Je suis le dernier représentant de ma famille, mais je voudrais encore lui exprimer toute ma reconnaissance. Faut pas tout cramer, hein, ce sera embêtant. Lyrum était une personne adorable. Je la savais malade, mais je ne pensais pas qu'elle partirait si vite. Courage, mes enfants. Et à gauche? Oh, je suis trop fort. À mes yeux, Lyrum a toujours été une femme exemplaire. Je voudrais devenir une mère comme elle. Un jour, elle me manquera terriblement, mais je voudrais lui sourire une dernière fois. Lyrum était une femme formidable. Les choses n'ont certainement pas été faciles pour elle, mais elle a toujours su rester chaleureuse. Je lui adresserai un dernier sourire lors de son départ. Oui. Bravo, jolie flamme! Il est temps de faire mes adieux. Cet endroit va me sembler bien vide sans Lyrum. Et d'ailleurs, on va faire quoi des petits enfants? On va les garder avec lui ou... Ah, quelle tristesse de la voir partir aussi jeune. Nous allons faire en sorte de la voir partir... en paix, d'accord? Il va faire une gauche. Yeah. Et en bas. Tu te débrouilles très bien. Avec ce flambeau, Lyrum sera fier. Serait fier de voir à quel point ses enfants ont du mérite. Il est temps de faire mes adieux. Je pensais que t'allais pleurer plus. Moi aussi. J'ai vu que t'as pas pleuré depuis le début de la cérémonie. C'est très bizarre. J'arrive pas du tout à pleurer. Tu es si calme.
Kaïm. Votre mère était-elle heureuse? Oui, elle l'était. Elle avait beaucoup d'amis. Et papa était un homme formidable. Même la reine l'appréciait. Elle l'a beaucoup aidée. Je suis sûre qu'elle était très heureuse. Vous lui avez toujours manqué. Toi et grand-mère. Tu ne pleures plus maintenant, n'est-ce pas, Kaïm? Tu es fort, Kaïm. Maman m'a dit que tu étais immortel et invincible. C'est fou de ne pas mourir. C'est vraiment génial. Pas vraiment, non. Pourquoi ça? Parce que je vois tous les gens que j'aime disparaître. Comme votre mère. Tu en as vu beaucoup? Ouais. Je ne les compte plus. Et c'est ça qui t'a rendu plus fort? Mais... ça doit faire mal. Ouais, très mal. En grandissant, je veux devenir aussi fort que toi, Kaïm. Même si ça fait mal. Même si c'est dur. Je pleurerai pas. Je saurai être fort. Bien. Oh, Cook, regarde! Elle est revenue à la vie. Je le savais. Je savais que maman nous entendrait. Tu crois toujours à ce genre de choses? Tu crois pas que maman a pu faire ça? Regarde, c'est évident que c'est grâce à elle que les fleurs vont mieux. Maman est là, et elle entend ce qu'on dit. Ça veut dire qu'elle est avec nous, Cook. Mais c'est impossible. Hey Kaïm, si t'essayais de retrouver ta mémoire rapidement, ça nous ferait gagner un peu de temps. Oh, tu es si stupide, Johnson. Tu le fais exprès. Mais tu comprends rien. Kaïm ! Je suis inquiet, moi aussi. Ça, on sait. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ça ! Mac est encore sorti ! Et regarde ! Lis ça ! Je vais retrouver maman dans la forêt rouge. Je vais lui montrer ses fleurs. La forêt rouge ? Ah, les gamins. C'est un endroit où on est censé retrouver les âmes des morts, mais... Mais la reine nous interdit formellement d'y aller. Ah, le con ! Ah, il y est quand même allé, hein ? Oh, petit crétin, voilà. Oh, Mac... Bon, je vais aller le chercher. Attends, Cook. Attends. C'est beaucoup trop dangereux. Je viens avec toi. Nous aussi. Bah, nous ? Tu veux dire nous ? Avec moi ? Oui, nous. Attends. Si la reine a interdit d'aller dans cette forêt, c'est qu'il y a une bonne raison, hein ? Non, on doit pas y aller. Moi, je reste ici, j'obéis à la reine. Tu peux arrêter de geindre ? Non. Sauvez-moi, ma reine ! Tais-toi et marche ! En route. Là, je suis fatigué, moi. Et dire qu'il va falloir encore marcher. Ah, fallait chercher le petit. Belle cérémonie, hein, par contre. J'avoue que... pas mal stylé. Elle est avec nous. Hein ? On a un nouveau perso. Oh, c'est stylé. Mais c'est qu'une humaine. C'est cela. Ce n'est qu'une pégue. Elle est spécialisée dans la magie blanche. Intéressant. Cœur d'ange. Augmente les PV restaurés par la magie régénératrice. Concentration. Réduit le temps
que met l'utilisateur pour jeter un sort. Oh! Ah bah... Il va falloir... lien de compétences. Et qu'on fasse ça. Attends, réduit le temps que met un membre pour jeter un sort. Oh. C'est pas mal. Elle aussi, hein. Formation, par contre. On va faire en sorte que... toi, tu vas aller là. Je suppose que le petit va venir aussi, hein, après. Que Mac, il se ramènera. Ainsi que, à tous les coups, plus tard, le prince. Il va falloir la level up, hein. Elle est niveau 15. C'est pas très ouf. Par contre, elle n'a pas d'équipement. Va falloir lui mettre un petit quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un anneau qui booste Ah mais en fait, les améliorations, c'est que pour l'attaque, quoi. On va mettre un effet de paralysie et ça... Voilà, l'unité de recherche. De toute façon, elle, il lui manque. Tac. Et lui, c'est pareil. Bon, normalement, on est bon. Un petit sauvegarde. Eh ben, il a fallu du temps avant un nouveau membre ne vienne. Bon, allons chercher ce gosse. Ouah, elle est stylée, c'est quoi cette tenue ? La forêt rouge est à l'ouest, dans les montagnes. Il faudrait mieux se dépêcher. On a aperçu des monstres aux environs de la ville. Après, je lui ai donné une voix de Mickey, par contre. Ah, Pipo ! Pipo dans le pot ! On a pas d'autres graines. Si... Après, est-ce que en objet ? On n'a pas des trucs un peu mieux. Si, on a des plantes de mana. Et ça, c'est quoi? Ah, graines! Attends, étrange... Oh, mais en fait, attends. Étrange graine ajoutant une case compétence à un immortel. Oh ah bah, d'accord. Ah, je me posais la question. Ouais... est-ce qu'il n'y a pas le nombre de cases qui peuvent être augmentées, mais... Oh, Kaïm, c'est le héros. La plupart du temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les bonus, tous les trucs comme ça, je le file au héros. Enfin, au personnage principal, tu vois. Surtout. Même si, bon, enfin, il n'est pas très forcément des fois dans la magie, mais par exemple, si t'as des graines de magie, je lui file quand même, quoi. Donc, j'avoue que... qu'est-ce qu'on peut lui mettre, par contre ? Je sais pas s'il y a un volet. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal, mais... Mais ça, en fait, attaque de... les bails de crise, c'est bien, mais bon... Faut vraiment être dans... peu avoir de PV. Et si on pouvait éviter...
serait très bien. Donc après magie noire, magie blanche, la magie pour lui, on va pas lui mettre, hein, on s'en fiche. Peut-être un volet et c'est toujours bien. Ah bah magie blanche niveau 2, au moins t'as Zephyr, donc c'est toujours pratique. Et Analyse trésor quoi. Ouais. Parce que les autres ils en ont pas. Analyse adversaire. Analyse du statut. Comme ça on a toutes les analyses possibles. It's cool. Un pipo dans le pot. Plante mana. Ouh, des gélules mana. On va en garder un peu hein, quand même. Ah, ça peut être intéressant. Je sais que sur 3-6, je crois que c'est le jeu, il est en 4 CD d'ailleurs. Si je me trompe pas. L'heure de la lecture. Kaïm retrouve un souvenir qui s'y était enfoui au plus profond de son cœur. Et ce que je disais avant de commencer, c'est que... Est-ce que là, vu que c'est téléchargé, normalement il n'y a pas de CD à changer. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les coupures CD de classique? Un rêve a été révélé. Cloche. Du soir. D'immenses cultures s'étendent devant lui. Kaïm récolte des légumes, maniant l'outil avec la plus grande concentration. En ce soir d'automne, le ciel est cramoisi. Peut-être qu'on devrait s'arrêter là, dit la robuste propriétaire de la ferme. Des légumes pleins les bras, elle les laisse tomber dans le panier. Kaïm acquiesce et essuie la sueur de son front. Vous êtes une aide précieuse, dit la femme. Regardez ce que nous avons accompli. Kaïm répond au compliment par un léger mouvement de tête. Vous ne parvenez toujours pas à vous souvenir d'où vous venez, demanda-t-elle. Je le crains. Eh bien, vu la façon dont vous travaillez, dit-elle avec un large sourire, ça m'est égal si vous venez de la lune. Sérieusement, Kaïm, que comptiez-vous faire à la fin des récoltes? Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore décidé. Le travail ne manque pas ici, même en hiver, dit-elle. Ça m'irait... si vous voulez rester plus longtemps. Merci, répond Kaïm. Elle est travailleuse et chaleureuse. Son mode de vie ne laisse pas la place au luxe. Aller dans les champs tous les matins à l'aube et arrêter le travail quand le soleil se couche adoucit le cœur autant que ça endurcit le corps. Alors qu'il s'apprête à quitter le champ, une cloche se fait entendre. La soirée n'est pas encore assez avancée pour que la cloche de l'église sonne. Kaïm jette un œil à la route en bas de la colline. Un cortège funéraire avance lentement le long de la route. Les gens en deuil entourant un corbillard tracté par un cheval. La femme dépose sa houe par terre, retire son foulard de sa tête et joint les mains. Kaïm examine les collines et découvre que tous les autres fermiers alentour font la même chose. Il joint les mains, baisse la tête et ferme les yeux en direction du cortège funéraire. Kaïm suit leur exemple. Le vieil homme à la tête du cortège sonne une petite cloche.
L'écho se répercute dans les collines. Les gens endeuillés marchent en silence. Les femmes en voile noir, les hommes en complet noir, la tête baissée. Ignorant la signification de la mort, les enfants à l'arrière jouent à se donner des coups de coude. Quand le cortège a disparu, la femme relève la tête, les yeux humides. « Le défunt retourne chez lui, » dit-elle. « Chez lui ?» demande Caïm un peu surpris. « Chez lui, la terre, le ciel, la mer, le foyer de toutes choses vivantes. » Caïm acquiesce silencieusement. « Combien de morts a-t-il vu dans sa vie infiniment longue ?» Tous ces gens quittent notre monde et nous ne les revoyons plus jamais. Dans ce sens, la mort est un événement tragique. Si toutefois, nous pensons que la mort les ramène chez eux d'une certaine façon, un certain soulagement et même de la joie se mêlent à la tristesse. Mais Caïm, qui ne peut ni vieillir ni mourir, ne pourra jamais rentrer chez lui. La femme prend une poignée de terre et dit d'un ton solennel : « De nombreuses vies ont participer à ce sol, les vies de minuscules choses vivantes, invisibles, les vies de plantes fanées. Si vous voyez les choses ainsi, nos légumes poussent pour nous par la vie de bien d'autres. » Je vois. Puis-je vous demander une faveur, Caïm ? Bien sûr. Si je dois mourir pendant que vous travaillez ici, voudriez-vous disperser mes cendres sur ce champ pour moi ? Une poignée suffira. Caïm en perd ses mots. Il se force à acquiescer à un sourire, à esquisser un sourire. Son mari décédé, ses enfants indépendants, cette femme vit toute seule à la ferme. Caïm sait que s'il continue à travailler ici, qu'il le veuille ou non, il finira par veiller cette femme sur son lit de mort. Même si elle doit mourir dans 100 ou 200 ans. La cloche de l'église sonne, la fin de la journée de travail. Comme elle l'avait déjà fait pour les funérailles, la femme joint les mains devant elle. « Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir permis de vivre une journée de plus. Puisse demain être une autre belle journée pour moi. » Sa voix en prière retentit avec force dans le cœur de Caïm. Cela arrive à chaque fois qu'il entend la cloche du soir de l'église. Il est envahi par la conviction qu'il n'appartient pas à cet univers. Madame, dit-il à la femme quand le carillon cesse de résonner. Oui ? Pensez-vous que les gens bénissent chaque journée qu'ils viennent de vivre et prient pour des lendemains heureux ? Parce qu'ils savent que leur vie n'est pas éternelle. Qu'est-ce qui ne va pas, Caïm ? Je quitterai le village à la fin de la récolte. Pourquoi cette décision si soudaine ? Que s'est-il passé ? Je n'ai aucun droit de vivre ici, répond-il. Ignorant sa stupéfaction, Caïm soulève le panier de légumes. Il admire une dernière fois le coucher du soleil. Mourriez-vous, Caïm, si vous partiez d'ici ? Je l'ignore, quelque part. Allez-vous continuer à errer ainsi ? Je n'ai nulle part où aller, dit Caïm. Posant le panier sur son épaule, il se met à descendre la colline. Sous la lumière du soleil couchant, son dos est rouge. Ah. Oh, petite histoire. Ok. Oh. Ah, beaucoup moins longue que les autres. C'est sympathique. C'est en vrai, c'est même pas la première fois que. Ok. C'est par là? Oui. À
Attends, mais il n'y a pas moyen de... Avant d'aller à la forêt rouge, faut que j'aille voir tout de même... Ah ? Nani ? Eh ben, la guerre, c'est pas de tout repos. Ah non. Oh non, ils ont l'intention d'envahir Ura. Ah, t'as un truc dans l'œil, Jensen, hein. Je suppose qu'on peut pas y aller. Eh, hey, en train, tordit. Vous ne pouvez pas. Vous ne voyez pas que les portes sont fermées? Oui, ce que je voulais aller voir, c'était est-ce que avec la petite Cook, je vais l'appeler Cookie, la petite Cookie, y a moyen d'aller dans l'arrière-boutique du magasin là. Faire des trucs dans la ville. Bon, ils se connaissent quoi, non? Non, mais on y est déjà allé derrière, c'est vrai. Par là. Après, on va à droite et on va à la forêt rouge. Bougez-vous, laissez-moi passer ailleurs. Non. Mais j'ai de l'argent, laissez-moi le dépenser. Ça me stresse. C'est quoi ce machin? Bonjour! Vous voulez essayer de jouer à ce... De jouer de ce cube? Quoi? Vous ne connaissez pas... Vous connaissez pas la musique cubique? Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est tellement amusant. Le cube que vous voyez est un peu particulier. Lorsque vous le touchez, il émet un magnifique son. Et c'est encore mieux si vous créez la bonne mélodie. Car le cube s'ouvre alors pour dévoiler de fabuleuses récompenses. Pour jouer, il vous faut une partition de musique cubique. Mais comme c'est votre premier essai, je vais vous en donner une. Oh. Oui. À la bonne heure. À quel morceau voulez-vous essayer? Ta partition. First step. Difficulté une étoile. Très bien. Prêt à jouer le morceau que vous avez choisi? Oui. On joue comment? Dans ce cas, formons un ensemble et jouons. Sati, viens. Toi, tu vas là. Venez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Cookie. Non, Cookie en arrière, hein, s'il te plaît. Et là, tu mets Kaïm. Non? Voilà. Oula. Ah, c'est un combat. Jouer? Je sais pas quel... Qu'est-ce que... Que quoi? Quoi?
Oh, ce n'était pas terrible. Vous voulez réessayer le même morceau? Ouais. En ce cas, formons un ensemble et jouons. Mais il faut faire quoi? Attends. Peut-être fallait que je lise la partition, mais... Au secours! Non, on va pas fuir. C'est de la musique, mais... Oui, là, t'as une petite musique qu'on entend, mais... Attends. A. B. C. D. Ou faut être beaucoup. Ou on n'est pas assez. Ok. Oh, ce n'est pas terrible. Vous voulez risquer... Non. Attends, what? The heart. Partition. Ah! C'est EGC. Ok, d'accord. C'est EGC, d'accord, ok. J'ai compris. Ah bah ça, après, si ça peut nous apporter des choses, c'est intéressant. Donc, c'est E, G, C. Oh, c'est ça. Félicitations, c'était magnifiquement joué. Pour fêter cette première, je voudrais vous donner ceci. Et quel est ce magnifique cadeau? Force mini. Ouh. Au revoir. Revenez jouer quand vous voudrez, d'accord? Merci, vieillard. Ah ouais, ça donne des magies, des trucs comme ça. Bon, on refera. On en trouvera d'autres, si on en trouve. Non. Je pensais qu'il y avait un point de sauvegarde, mais pas du tout. On a toujours. Ah. Toujours en bonne formation. Nickel. Donc. À la forêt rouge. J'ignore pourquoi. Est-ce que ce ne serait pas la couleur des feuilles en automne? Ceci dit, ce rouge est très intense. Si la reine en a interdit l'accès, c'est parce que la forêt rouge est maudite et entachée de sang.
Elle est aussi appelée la forêt de chagrin. Ouais, il y a l'air d'avoir surtout de la magie dans l'air. Oh, de sang. Ah, quelle mauviette. C'était il y a 500 ans, non? Hein? Ah, ça. Quoi? Quoi? Dites-moi! Il y a 500 ans, un pays de l'Est a envahi Noumara. C'est sûr que ça doit être des pros. La couleur du sang des hommes tombés au combat. Ça doit être des pros en histoire. Hein. Qui sait combien de milliers de soldats oubliés reposent là-dessous, entachant cette forêt d'eau rouge pour l'éternité. Plus qu'à fouiller à trouver ce gamin. Oui. Après ce 1 en pièces d'or qui... ça. On met des coups de pied. Ou un cristal. Intéressant. Ça a coulé. On pète tout, hein. Y a un passage là-haut ou ah, une chaussure. Il a peut-être glissé. C'est vrai que les enfants ne sont pas très malins. Mac doit être devant. Allons-y. Ouais. On y va. Bon, d'abord, on va faire le tour, hein. Évidemment. Ah, ça commence à m'énerver tout ça. Trop grosse, gros bâton, hein. Ah oui, on a la compétence volée. C'est quoi ces belles bêtes? Tuk 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 tuk. Magie noire. Ah mais un prisme, voilà quoi. Pyro. Vent, vent, vent. Ils sont tous vent. Ouais, toi t'as que ça quoi. Oh. Et en compétence, ah, soutien de sort. Ah ok, d'accord. Ok, une compétence, c'est pas un passif quoi. Bah, tu vas taper. Après, il m'a mis un cri. Donc, toi, ensuite, toi, attends, vent, c'est, j'ai oublié, la table, oui, non, c'est, oui, c'est fait. Bah essaye hein. Ah,
Non. Peut-être pour Papy Kaïm. Bébé. Cook a appris prière. Oh, intéressant. Un cool stars. Ah, ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes beaucoup, hein. Peut-être un petit sort de barrière. C'est jamais. Ah, il prend pas très très cher. Ah. Ouais, bon, on a bien fait. Oh, une mine. Une mine. Voilà, toi, on continue. Toi, tu vas me faire un petit... guérison pour Sati. Salut. Bébé, madame. Ah, Kaïm là. Oh, il a mangé son pote là. Petit Pyro, on ne sait jamais, et toi, c'est pour lui. En vrai, ça fait tellement du bien d'avoir le la petite Cook. Ouf. Tout ce qui est soins et tout, au moins. Ah oui, mais même les autres. Ah. Ah non, mais en fait, faut qu'on fasse le petit farm. En vrai. Ouais, pour papy et pour voilà. On devrait le faire. Équipement. Normalement, toi tu. Là. Toi. Non. Il faut qu'on fasse bien. Ok, t'as que le bandeau d'or. Prothéser à le sage, toi aussi. Lunettes trésor, on s'en fiche. Voilà, œil de faucon, ce qui est craqué. Et eux, ils ont appris. Avec le lien de compétence. C'est cela? C'est cela, oui. Prière. Restaure des PV d'un monde. Restauration des PV d'un monde. Ah, mais c'est en compétence, ça. Oh.
Oh, mais je sens qu'il va y avoir un boss, il va... voilà. Comme d'hab, on va mourir si on n'a pas farm, les CP, sur... Oh, les persos. On connaît, on connaît. Oh, le parfait. Muda. Aïe. Oh là là, les combats sont toujours aussi forts, c'est relou. Ah, j'aime beaucoup. Ah oui. Ah, le soin, il est à... Oh, c'est pas de la merde, hein. Après, il n'y a pas beaucoup de, d'attaques... de sorts d'attaque, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Ne dites pas que c'est un piège. Non, c'est bon. Encore des cristals. Enfin, des... Un cristal. Ça m'intrigue. Cette stèle, on l'a pas déjà vue dans le palais de... Enfin, dans le jardin du palais de Gongora. Dis un truc. Et aussi là, il y a des, plaques. Quoi là-bas? On va y aller après, hein. Je suis sûr qu'il doit y avoir un truc à faire avec ça, hein, donc on va pas se priver. Oh, une plume d'ange. C'est comme qu'on a le sort qui... le sort Rez. Enfin, de vie. Ce serait pas mal, ça. Qu'est-ce que t'es? T'es pas beau. Un crapaud géant. On va buter lui. Déjà, toi, sors une petite magie noire. T'es haut, donc Terra. Si je me cours pas. Oh, mais ça coûte rien du tout. Oh, tu peux soigner sans consommer de PM. Oh là 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 là. La meilleure, hein. Okay.
Ah, ça va, hein. Ça vaut pas un guérison, j'avoue que... Mais... Oh, le poison. Oh non. D'accord. Super. Il dort ou il dort pas? Je sais à quoi mettre nos chers immortels. L'immune poison. Je pense qu'on sera bien. Je sens que s'il y a un boss, il va nous faire que ça. Bon. De MP, hein. La petite cook. Bon, on va faire ça tout de suite, hein. Anti-paralysie, ça va être... il est où? Anti-poison. Ça aussi. Heureusement qu'on l'avait fait. Par contre, eux... sera peut-être pas œil de faucon. Il est où? Il est où? Voilà. Oui, on met à elle parce que c'est un peu... c'est à la mage blanc. Donc, faire en sorte d'éviter qu'elle meure. Qu'est-ce qu'on sait que ce machin? Ah, rien ne se passe. Cela semble être l'œuvre de la tribu orientale. Si on n'a pas obtenu de réponse, ça doit être parce qu'on ne connaît rien à la magie mentale. Oh, c'est la magie mentale. Ok. Il va falloir sûrement y retourner. Plus tard, pour faire du backtracking. Et là, il n'y a pas de possibilité de passer pour atteindre l'autre petite plateforme. D'accord. Bon, j'imagine un petit boss. On va guérir. On va utiliser toi. Voilà. Ah, attends. Est-ce qu'il y a escroquerie ou pas? Ah non, on peut pas. On peut pas faire en sorte qu'elle utilise prier pour pour soigner les gens. On va peut-être quand même lui... Voilà. C'est jamais. Ah! Droite. Oh, ça s'annonce pas bien. Je reviens vite fait, je vais allumer la lumière, il fait tout nuit. Qu'est-ce que c'est que... Ah, mangeur d'âme. Le mangeur d'âme peut être embêtant, je pense. Après, il y a des ballons. On a mis les feux. Mais c'est ma seule attaque de zone.
écoute. Bon. On va tester, hein. Ah zut. Ah. Ouh, il picote. Ah oui, oh pas mal. J'avoue c'est intéressant. Attends. Non, on va faire ça plutôt. Toi tu vas attaquer lui. Et... pourquoi on a ta... elle est paralysée, il lui arrive un truc. Ça lui coûte un tour peut-être. Ah là 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 là. Non mais eux ils sont dangereux. Peut-être ça. Là, toi tu vas faire lui. Je peux pas re-attaquer. C'est pas très cool. Je voulais soigner papy moi. Je voulais le soigner. Jensen a appris magie noire niveau 3. Intéressant. Compétences, d'ailleurs. Ça, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'était pas concentration. Ok, c'était dans les équipements. On va remettre œil du faucon et elle. On va lui mettre. Ça. À moins qu'on l'ait déjà en compétence. On l'a déjà en compétence. Super. Si on peut éviter d'avoir. Ouais, voilà. C'est bien ça. Oh, petit passage. Hé, hey, laissez-moi passer. S'il vous plaît. Comment ça? Un coup de pied? Vous voulez un coup de pied, monsieur? Tenez. Mais... peut-être que les cristaux... vont nous aider par rapport à la magie mentale pour plus tard. C'est qu'une supposition. Vu que cette forêt, là... magie mentale, tout ça, patati patata... on va croire ça, pour le moment. Aucune fichetrie, d'ailleurs. Qui me gratte. Ah, c'est horrible. Ah non! Ah, le casque qui tombe. Ah! Tu vas te mesurer à moi! Ah! Horrible.
Vous. Ah, leur rire. Pétrifier un ennemi. Ah oui, c'est ça. Ah non, mais dégâts physiques légers à un ennemi. On s'en fiche, hein. Celle un ennemi. Ouais. J'ai jamais été du style à utiliser des sorts comme ça en général. Attire la langue. Tous les bails style de contrôle, tout ça, ça a jamais été. La cam. Peut-être pour nous s'améliorer si on a peut-être. Est-ce qu'un jour on aura un sort de rapidité? Lui il est à 30, lui c'est pareil. Comment ça? Elle est paralysée, t'es sérieux? Pas obligé de faire ça. Hein. C'est pas grave. Oh, il me fait mal. Ah, c'est cool. Un Zephyr serait pas de refus. Il m'a ralenti là. Peut-être après, hein. Bon, après, s'ils peuvent paralyser aussi, c'est embêtant. C'est bon. Compétence, toi. Lien de compétence. Ouais, on va continuer. Hein. La magie noire 3, bon. Guérir. Ouais, peut-être plus elle. Hein. Voilà. On est bien. En haut à droite. En haut. Crystals. Là c'est pareil, encore une plaque mystico-magique. Hors de ma vue. Ah, ils sont beaucoup. C'est embêtant, ils sont 5. C'est quoi ce machin? Kélolon d'argent. Ah, on a le sort pour transformer en Kélolon. Mais d'argent, ça m'a l'air rare. On sent qu'il faut le buter tout de suite. Hein. Toujours. Et on va rester là-dessus. Hein. Ah ouais, ok. Et on manque. On sent que c'est le
C'est le Pokémon rare là. Le Pokémon Shiny. Si Cookie ne pouvait pas mourir, ce serait merveilleux. Peut-être affaiblir les autres quand même, même si j'avoue que... oups. Non, continuez. Une prière pour Kaïm. Hein. Rajoute ouais ouais bof ah voilà. Ouch. Non, il a pris la fuite. Oh là 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 là, oh la tristesse. Et je me demande bien qu'est-ce qu'il pourrait rapporter hein. En vrai. Salut. Moult moult argent peut-être. Moult PC. Oh, c'est intéressant en tout cas. Objet, est-ce qu'on n'a pas... Non, pas ça. Ah ouais, on en a qu'un en fait. Ouais. J'aurais peut-être dû acheter des popos. Ou un truc pour soigner peut-être. Juste avant... quelque chose n'arrive. Voilà, c'est pour Pipo le lapin dans le pot. Elle a l'air d'avoir pas grand chose de plus. Cette forêt rouge est vraiment intrigante. Et on peut pas aller de l'autre côté pour le moment. Merveilleux. Oh bon. Ah non, c'est pas assez grand. J'ai cru que ça ressemblait à une arène de boss, mais l'arène n'est pas assez grande. Ça va. Ah, tombeau des sorciers. What the hell? On va rentrer à l'intérieur, je suppose. Vive la sauvegarde, hein, par contre. Ouf, 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 ouf. Ce serait bien que Cookie soit aussi au même level. Ah, bienvenue, Lunar, que j'arrive. Food Today. Et merci pour le follow. Ah, ça a pas marché. Un combat. Ah, c'est bizarre, ça a pas marché. C'est quoi ce machin? Un dragon plante. Il est sans éléments, d'accord.
On va s'occuper de la pyrosphère d'abord. Un Zephyr. Ah, parce que normalement t'as Wizbot qui doit faire des choses. Mais pas l'impression. Après ça m'empêche pas de souhaiter la bienvenue tout de même. Mais je veux cette attaque. Alors trop bien. D'ailleurs, Force Mini, c'est pas mal. Hein. Ça tire. Elle a picoté fort. Ah, niveau 19. Merveilleux. Et elle a pris magie niveau 3. Magie blanche, niveau 3. Et nous... Ben, eux ont pu faire ça. Qu'est-ce que ça apporte? Grimoire. Non, magie blanche. Donc, saut soin. Guérir à un membre du statut saut. Couverture mini. Crée une faible barrière qui absorbe les dommages et protège les membres qu'elle entoure. Ouais. Soinceau, normalement ça devrait être là, non? J'ai l'impression que c'est enfin, faudra essayer. J'ai l'impression que c'est un peu l'évolution des boucliers, quoi. On verra bien. Il nous reste un sort qu'on n'a pas encore. Et même pour la magie noire. D'accord. Oups, je voulais re-sauvegarder, mais... Bon. Mais quel est ce donjon ? Ou une pierre ? Ça se pousse. Est-ce que quoi que ma... Je peux pas ressaisir ? Si. On va la pousser, hein. Ah, je vois une pierre ronde. Suite, voilà quoi. Mais ça dedans. Ouais. Non. Au secours. Oui. Avec Kaïm. Oui. Non. Peut-être. Je ne sais pas. Il est bugué. Attends. Tchouk. Avance. Ah. Ah, c'est peut-être pas pour le mettre dans le trou, quoi.
Je sais pas où. Bon, on verra. De toute façon, elle a déjà amené jusqu'à là. Ah non, on est coincé. Or fork. Ah ah ah. Non. Pas grave. Parce que s'il faut qu'on aille jusqu'à là-bas avec ce gros rocher, c'est embêtant. Et pourquoi je disais, ouais, c'est bizarre que ça a pas marché, Wizbot. Parce que normalement, ça doit afficher un petit message. En mode, bienvenue. Avec des cœurs et tout ça. Voilà quoi. Oh! Encore ce gros machin, quoi. Ah, mais oui! C'est vrai qu'on a le destructeur de la mort qui tue, quoi. On a plus de PM, on a plus assez. Ça, c'est ridicule. Je suis estomaqué. Qu'elle le bute. Est-ce qu'il le bute? Arrête de tirer à la langue. Fais une prière à Sati. Salut. Oh non! C'est mort. Oh, c'est pas grave. Ça arrive. Ce qui est bien aussi, c'est que les levels se régularisent tout seul. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Que tous les persos, ils ont le même level. Qu'il n'y a pas des levels de différents. J'espère que... Oui, elle est revenue à la vie, ce qui est normal. Elle a gagné les CP quand même. Vraie question. Non. Pas là-dedans, c'est là-dedans. Lien de compétence. Elle en a pas gagné. Oh. Oh, c'est embêtant. Bon, après, bon. Ah, quelque chose vient de se fermer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La porte s'est fermée toute seule. Est-ce que ça vient d'un de ces machins à énergie mentale? Là, je le vois là, là le petit machin là, enfin le gros truc là. Ah! Ah non, mais t'es sérieux? Oh là là. Damned! Bah le gros machin que je disais, il est là. Super. Il a combien de PV? Oh bon. Bon, l'aile de fesses. Ça va être tendu quoi.
Vous allez me buter, ma Sati. Non. Appelez quelqu'un d'autre. Non. Impossible. Ah. Okay. Alors, on m'a menti. Hein. Moi, j'avais vu 175 et là, elle était à 75, quoi. Oh là là, on a plus de PM aussi. Ouais, va pour Jensen, hein. On lui a rien fait. Bon. Ah, il ressuscite. Je sens que je vais pas aimer forcément ce donjon. Jensen. Tu vas attaquer, toi tu vas utiliser un... Ah non mais... J'aimerais bien qu'il fasse un sort. Oui c'est bien ça, plante mana, oui d'accord. Sur toi, et toi tu vas me faire un... Non, petite compétence, prière. Bah sur Kaïm hein. Merci. Désolé pour ça. Ah là, merci Sati de ressusciter. Magie noire, toi t'es un de terre, donc ça va être le vent. Ensuite, magie blanche, une petite guérison sur Sati. Je te remercie. Ouais, normal, elle a fait un peu plus de dommages. Parce qu'elle a l'anneau qui fait pour. Ventoux. Ah, peut-être encore un Ventoux, hein. Oh là là. Oh non, pas la charge. J'ai eu peur. Elle meurt. Vous êtes feu, hein. Oui. Vous n'aurez pas une capacité, ce serait pas mal de comment dire, de régène PM, comme beaucoup de magos en général. C'est pas mal. Cœur d'ange. D'accord. Oh, ça va être compliqué. Magie blanche niveau 3. Oh,
crame, il lui reste que dalle comme PV, quoi. Faut que je me barre d'ici là. Et quoi de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des coffres? Il y a un combat. Super. Ça va me plaire. Oh, ils sont encore 150 000. Bon. En plus, le mangeur d'âme, c'est pas trop ça quoi. J'aurais espéré ne pas forcément utiliser cette technique, mais bon. Ouais, on va éviter. On va faire ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça peut être la douille. Fait là. Bon, c'était pas trop la douille, ça va. Mais un petit peu quand même. Ah, en vrai. On va quitter. Donc ça va être faux. Ok, en fait c'est ralentissement, d'accord. C'est pas cool là. Oh le parc. Mange-les. Voilà. N'était qu'une petite bestiole déjà morte. Ah, Sati a fini le lien de compétence. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là-bas. Nya. On va monter. Où est-ce que tu nous emmènes? Tu peux pas nous emmener là, là? J'ai vu un truc où on peut soigner. Non? Par hasard. Ah non? What? What? Bah là ça appuie, donc ça fait descendre la boboule. La boboule. Mais voilà.
bout d'un moment, il n'y en aura plus, non? Après, je me dis que... Peut-être avec une vitesse... voilà quoi, mais... Mais je perds des PV en plus, voilà. Surtout que la caméra, elle m'aide pas. Qu'elle est statique, voilà. Avec la boule qu'on a vue, on la ramène jusqu'à là, on la soulève et ça bloque l'autre. Aucune ficherie. Prière, c'est ça que je voulais faire pour Jensen. Oh. Okay. Oh non, pas les ralentissements de mort. Dû mettre les deux autres à une mine, la fameuse. Oh non, mauvais. Oh, il a régène. Non. Lui. Toi. Lui aussi. C'est sérieux? C'est pas grave. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas me faire un. Voilà. Il nous a fait mal, hein, quand même. En tout cas, on va faire une petite pause. On va aller tenter de régénérer tout ça. Parce que bon, on va pas continuer dans cet état-là pour la prochaine fois. Sur ce, pour la VOD, je vous dis à la prochaine. Bye!